Quel jeu incroyable. Non, vraiment, j'ai pas aimé le jeu. Puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup de réutilisation des assets entre les différents jeux. C'est un peu abusé. Genre la carte là qui est le centre de l'histoire. En fait, on la voit déjà dans le jeu d'avant. Bah ouais, j'étais obligé. En fait, je suis allé toquer à la porte de Abandon Air France. Ils m'ont filé une VM toute faite au niveau de 98. Merci à eux. Là, j'ai acheté en physique le prochain jeu Ernest aussi. Allez, c'est parti. Bah non, mais j'ai investi l'argent qu'on voit via les subs, hein. Les bits. C'est un juste retour des choses, je pense. Eh bien, Moussaillon, on dirait que tu n'as pas froid aux yeux. Tu viens de découvrir les pages les plus précieuses de cet album, celles qui relatent les détails de mon séjour dans une île lointaine. J'ai trouvé dans cette île un secret incroyable, inimaginable, Allez, après je cet album papille. en conserve la preuve. À toi de le découvrir. Il suffit pour cela d'explorer les lieux en suivant bien mes consignes. La carte que tu vois ici te permettra de te repérer. Bonne chance! Allez, Ernesto. Oh là là, malheureux! Comment avez-vous fait pour trouver cet endroit? Savez-vous que cette île est hantée par une étrange malédiction? Ernest m'a chargé de veiller sur celui qui découvrirait ces Quelle idée de pages. jouer à Si ce je jeu. puis dire, je suis l'homme qu'il vous faut. Mon nom est Enfin, j'ai Ernesto. envie de Je devoir serai faire les votre 5, hein, je suis obligé maintenant. serviteur et vous J'ai serez désormais commencé, mon je dois finir. patron. Voilà, lorsque vous aurez besoin d'aide, maintenant il faut vite partir. C'est ça. Tu viens de mettre en route l'appareil photo. Il se recharge après chaque photo en cliquant sur... Oui. Voilà, l'optimisation des mouvements et tout, c'était vraiment très beau ça. Pas bugué cette fois. Allez, allez, vas-y. Clic, 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 clic. Je sais pas ce qu'il faut. Fruit de la passion, scarabée, pirogue. Fruit de la passion, scarabée, pirogue. Pour l'instant, un début de run, c'est un chapeau de roue. On y va. C'est pas là. Ça passe. Le scarabée. Scarabée carambole forêt. C'est parti. Allez. Click on the. Mais il veut pas cliquer sur les flèches, hein. C'est dingue. Mais... Ça commence mieux que la dernière fois, mais...
Sans les flèches, j'arrive pas. The scarabée. Ah, j'ai réussi. Je m'en fous de ce qui se passe ici. Moi, il faut que je me focus sur ce qui se passe là. Genre ça. Et ça. Et ça, et ça. Et ça, et ça. Et ça. Ça, ça. Non. Quel enfer! On va réussir quand même. Pas comme ça. Après, je sais pas si les armes ont différents dégâts. Peut-être les canons font plus de dégâts que les flèches. Faudrait que je tasse le jeu pour savoir les dégâts de chaque arme. Toutes ces merdes là. Je me dis peut-être que je devrais mettre la pirogue plutôt dans la run pour au cas où je rate, pouvoir reset plus rapidement. Ok, après, carambole forêt. Carambole forêt. Là, on prend la clé, absolument. Voilà. Tac. On prend ça. Et après, on va à la crique. Et la crique. Ah, j'ai pas pris la fleur. J'ai pas pris la fleur. Débile man. Aïe 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 aïe. Allez. Clique. Je sais pas moi, qu'est-ce que je fasse hein. L'erreur. Ok, c'était rapide ça. Ça n'a aucun sens, mais... Écoutez... Le bâtiscaf est paré au départ. La position dans la crique sera indiquée par un point rouge sur le tableau de contrôle qui vient... Objet suspect détecté. Clique sur le bouton rouge pour plonger... Objet... Ah, oh, j'oublie la fleur. En vrai ça je pourrais le faire plus tard après le... Non je peux pas parce qu'en fait le bateau là à la fin qui est dur, forcément je dois le faire après les trois joyaux je crois, forcément. Sachant que si je me trompe là dans la page juste avant, j'ai une cinématique qui mène à rien du tout quoi.
J'ai un prank. Une planche pour rien. Bon, on a un sub 10 à l'épave. Pas trop mal. Là aussi, c'est full RNG. Heureusement que j'ai un don. Je dis oui. J'aime trop cette musique. Que fais-je? Ok, c'est bon. C'est gagné. Ouf. Félicitations, Moussaillon. Volcan, non, du coup. Je mets la fleur. Détour. Allez, on fait ça, on profite. Hop. Toujours improvisation. On prend ça, on met ça. Hop, nickel. Encore eu de la chance là. Je crois vraiment que c'est RNG. Hein. Cette température là de départ. Donc là, faut pas faire l'erreur de quitter la page trop tôt. Les autres, les ingrédients nécessaires dans le récipient. Appuyez ensuite sur le gros bouton en dessous pour chauffer le mélange. On va faire gaffe à ça. Donc là, forêt et clairière. Avec les photos des animaux là. Je pense que je peux pas avoir une pire RNG que tout à l'heure. C'est rassurant. Recette herne explosif parfaitement réussi. Bravo! Ah zut. Faire ça, on en profite. Tac. Et là. Toi, toi, là-bas, tac. On est prêt. Pour l'instant, rien. Allez. Allez. My body is ready. La guigne. C'est la guigne. Mais c'est pas vrai quoi. C'est nul ce jeu, mec. Qui a testé ça? N'est rien. Ils vont arriver les trois en même temps. Mais non, mais c'est une blague!
fais? Je n'en peux plus de ce jeu. Non, j'ai eu le... Ah là, ça m'énerve. J'ai foiré l'attente. C'était abusé, franchement. Vas-y, ça va prendre une heure là. Oui, c'est un speedrun, hein. Ne vous y trompez pas. Oh, j'ai foiré ça, quoi. Mais c'est une blague! J'ai failli le rater, quoi. Bon, là, je joue un peu safe, hein, j'avoue. J'ai pris Dédé en photo là. Je sais plus si je mets en photo. Machin là. Content avec ça là? C'est quoi ça? Ah, Gustave, c'est bon. Allez Gustave, on croit en toi. Ça me rend nerveux ce singe. Ah, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Je crois que j'aurais dû enlever le fruit quand il vient avec son totem en fait. Bon, je sais pas ce qui se passe. Ok, très bien. Ça, on bat les couilles, frère. Je lui grasse, lui joue à l'entre entre jambes. C'est la strat de Spiron. Allez, allez Gustave. Lâche ce joyau. Lâche ce joyau. C'est une blague. Mais quoi? C'est pas vrai. Il m'a jamais fait ça. Allez, allez, vas-y, vas-y. Bravo, Moussaillon. Grâce à ta passion. La patience à la limite quand même. En fait, là, j'ai toujours peur que les cloportes me trollent, qu'ils mangent la photo avant qu'elle soit prise en compte. Ça peut arriver.
Ça m'est arrivé sur la run du jeu précédent. Easy. Donc c'est quoi? Ah oui, on fait la cache après carte de l'île. Okay. Comme vous allez voir, j'aurai beaucoup moins de chance ici. La flamme que tu viens d'allumer au bout de ton curseur a une durée de vie limitée. Quand elle s'éteint, tu peux la rallumer en cliquant sur l'image du feu en bas du livre. Je comprends rien ce mini-jeu, vraiment trop bizarre. Allez, c'est le moment de faire parler mon skill. Allez, vas-y. Je sais pas moi. Je clique, hein, je fais que ça. Mais... Comprends pas. Allez, c'est parti. Je vous montre comment on fait. Salut YouTube. Tranquille. Ça passe. J'ai pas encore osé foncer dans les rochers là en haut pour voir si ça passait. Déjà là c'est chaud. Alors là attention, attention. Ne pas skipper la cinématique qui va suivre, sinon ça fait... Enfin ça... Il faut recharger la page sinon. Hey Eglie. Grand secret. Pour le voir, il faut posséder les trois bijoux, mais aussi le code secret. C'est bon, je serai à l'heure sèche pour notre rendez-vous. Si tu ne les as pas encore trouvés, pars vite à leur recherche. Non. Ça c'est la porte secrète, c'est sûr. Les trois bijoux sont en place. Il ne te manque plus que le code secret pour l'ouvrir. Tu le trouveras sur la stèle sacrée. Ok, donc là j'ai fait le code secret que je suis censé avoir après une longue... Attention, là ne rien skipper. Voilà, ça faut pas le skipper, si je skip ça faut que je recharge la page. Le plus précieux de mon existence, celui pour lequel j'ai conçu cet album. Cet œuf n'est pas banal, c'est un œuf de dinosaure. L'animal dont parle la légende a vécu dans cette grotte. Ceci est la preuve de son existence. Prends-le, je te le confie. Il est à toi maintenant. Yes. Salut Moussaillon, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, Andy, regardez patron, il y a un problème. On dirait que le haut de l'œuf est ouvert. Cliquez doucement pour voir. Malédiction,
l'abomination. L'œuf sacré est vide. Le monstre a éclos. Malheur. La légende s'est accomplie. Il faut absolument le retrouver avant qu'il ne détruise complètement cette île, cet album, le laboratoire, Gustave Hugo, les autres bestioles et tout le tout-team. Il faut chercher le tout-team, etc. Et qui dit ça? C'est là qu'il a dû se réfugier. Vite. Spoiler, je sais où c'est. Monstre. L'animal s'est réfugié sous cette salle, le seul moyen de l'ordre. Ah, ça joue bien, hein. Oh là là, vous entendez? Il arrive. J'ai la frousse, patron. J'ai la frousse. Qu'est-ce que c'est? Un Pokémon? C'est lui! C'est le monstre! Eh oui! Eh oui! On a fait un nest dans l'espace et on fait un nest chez les dinosaures. Apportez le monstre dans le laboratoire! Apportez le monstre dans le laboratoire! C'est notre seule chance! Bon sang, bonsoir! Urgence! Vite, 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 vite! Prenez-le aussi pour le patron! Rendez-vous dans le laboratoire! Et voilà. Le résultat de l'analyse. 26-08. T-World Record. Oh, ça fait du bien de retrouver son aspect normal. Oh, mais quelle idée m'a donc pris de plonger dans cet étrange breuvage. Heureusement que tu étais là pour m'aider. J'avoue, j'aurais pu faire un sub 26. Toi, tu m'as sauvé la vie. Je peux te confier un grand secret. Vois-tu, la je suis le RNG. Ernest croyait avoir rapporté un œuf de dinosaure. Et ce n'était que moi. Ah, j'ai vécu heureux ici. Jusqu'à ce que je découvre par hasard ces pages qui évoquent mon île. Depuis, j'ai la nostalgie. Je sais que mon destin est de vivre là-bas. Et non pas dans un grenier. Ah, si seulement quelqu'un pouvait m'aider à y retourner. C'est beau. J'ai hâte de voir ce quatrième jeu. Sacré Gustave. Oh là là. Tellement de l'or. Un jour, dans le grenier, près de l'album de l'oncle Ernest, j'ai mis la main sur un animal. Oui, c'est vrai qu'il bégaye un petit peu, le gamin. Le vétérinaire nous a dit qu'il était en train de périr. La seule façon de le sauver, c'était de le rapporter dans son pays. Croyez-moi, la famille a mis toutes ses économies. On a pris la voiture, l'avion, et puis le bateau jusqu'aux îles. On a remis en liberté. Plus tard, en me plongeant dans l'album de l'oncle Ernest, j'ai compris comment cet animal était arrivé jusqu'à nous. Que voulez-vous, vous? Quand on croit en légendes, on peut confondre un œuf de dinosaure avec celui d'un caméléon. Cet œuf, qu'il croyait fabuleux, c'était ça, un véritable trésor. Tout le rêve n'était qu'une diversion. Comme dit ma mère, le temps passe et ne transforme pas toujours le rêve en réalité. Ah, c'est beau. Même si l'oncle Ernest s'est trompé, on n'oubliera jamais cette façon dont il avait serré contre lui son album secret. Je crois qu'il faisait un fuck le gamin. T'es fait avoir.
Mais du coup, en fait, je crois que à la base, c'est une trilogie, il me semble. Mais ils l'ont entendu en pentalogie. Et d'ailleurs, il y a une pentalogie plus le fan game, qui est super dur. De par le succès de la série. Ah, mais c'est un succès à l'époque. Hein. Il y avait le camp Doom, il y avait le camp Ernest. Il y a un fan game. Non, c'est pas une blague. Il y a un fan game qui est d'ailleurs super joli, mais très très dur. J'avais commencé à y jouer en live, mais je n'ai rien réussi à faire concrètement. Mais lui aussi sera speedrunné un jour. Je suis obligé. C'est cool cette musique. Bon ben, est-ce que ça arrête là pour ce jeu? Je pense que c'est suffisant, non? Ça aurait pu être mieux comme run. Hein. J'ai un first try bateau. First try carte. Et ouais. Alors, si je tape OBS dans les programmes, qu'est-ce que je... Est-ce que je peux le streamer depuis mon Windows 98?